Développer l'offre touristique. Pourquoi? Comment allons-nous nous y prendre? Quel est notre projet? Tout d'abord, pourquoi? Tout simplement, pour augmenter le nombre de touristes qui viennent à Revin, offrir aux habitants de la communauté de communes et au-delà l'envie de venir à Revin, et bien évidemment donner une image positive et attrayante de notre ville. Ceci augmentera le temps de séjour sur la commune, et par voie de conséquence, augmentera la consommation sur la commune. Comment allons-nous nous y prendre? Être attractif en aménageant une structure de loisirs qui n'existe pas à proximité. Pour rappel, nous faisons partie du parc naturel régional des Ardennes, dont l'axe 1 de sa charte est de diversifier l'activité économique en valorisant durablement les ressources du territoire, notamment en faisant du tourisme un nouvel axe de développement économique. Une baignade naturelle nous semble le projet touristique et économique idéal à inclure dans notre écrin de verdure. Pourquoi une baignade naturelle? Ce qui nous différenciera du lac des Vieilles Forges, c'est que l'eau sera limpide, transparente, de par un système de filtration biologique de l'eau par les plantes sans produits chimiques, avec un renouvellement de l'eau en continu. Associé à une aire de jeu, de détente et de loisirs multigénérationnels, ce projet permettra à Revin de rayonner et créer une image dynamique de notre ville. À quel endroit implanter ce projet? Nous allons survoler les zones envisagées. Nous avions pensé dans un premier temps à la zone des Gauvillots, de par son emplacement écologique incontestable, qui se situe à cet endroit ici. Cependant, cette zone est à la fois en zone inondable et un espace naturel protégé. C'est pourquoi, dans notre étude préalable, nous avons rencontré l'architecte des bâtiments de France, la direction départementale des territoires, l'agence régionale de santé et enfin un hydrogéologue. Il ressort de ces discussions que le projet est possible, mais en prenant en compte les spécificités du périmètre de protection éloigné de la zone de captage en eau potable, qui se situe ici. Donc, soucieux de la maîtrise des coûts d'un tel projet, nous avons conclu que le parc Rocheteau était l'endroit privilégié. En effet, sans dénaturer le parc, il est possible d'intégrer une baignade naturelle au niveau du terrain de tennis et de l'aire de jeu. Les atouts du parc Rocheteau sont indéniables, son cadre de verdure à protéger et à embellir, un accès direct au réseau EDF et d'eau potable, un espace clos, une proximité avec la zone commerciale et de places de parking, et sa magnifique maison à restaurer prend ici tout son sens. D'autres communes proches de Revin, à Dour en Belgique ou à Conantre dans la Marne, ont déjà mis en place un tel projet. À Conantre, ville de 1000 habitants et dotée d'une piscine communautaire, a réalisé dès la première année d'exploitation en 2019 7000 entrées payantes, dont 6000 visiteurs extérieurs, et ceci sans publicité. Nous vous laissons imaginer le potentiel pour Revin.